Oui, je pense que toutes les œuvres abstraites ont une dimension spirituelle, de la sensibilité à l'état pur, puisque on travaille, on fait des créations pures, créées à partir en forme abstraite, sont inexistantes hors de. Ça n'a aucune référence avec la nature, avec des choses existantes. C'est proche de la spiritualité. Je travaille l'abstraction géométrique. Donc le cercle et le triangle sont des formes tout à fait essentielles et libres dans l'espace. Rien n'est plus dynamique que le cercle. Et le cercle vraiment dans sa pureté. Comme ça que l'on a le maximum d'intensité, de rythme. Et le triangle permet aussi de libérer chaque forme dans l'espace. Le tableau qui s'appelle Jazz est le premier tableau qui a été exécuté avec les triangles. Donc c'est très important pour moi parce que c'est le premier de la série. Mais c'est du rythme, un vrai rythme dans cette œuvre. Le premier jet, c'est-à-dire le premier dessin qui va servir de base à un tableau. Nous avons un relief. J'ai pensé, je peux faire mes triangles avec un volume. Et c'est un peu à cause de Mike Gallet que j'ai fait ces pièces en relief et j'en suis très heureuse. Le thème cercle avec cette œuvre, c'est une histoire un peu étonnante. J'ai fait un dessin. Et il s'est trouvé que la proportion du grand cercle, c'est-à-dire celui qu'on voit en découpe, est proportionnelle à l'excentration des deux cercles, quand j'ai fait le calcul. Et donc ça m'a motivée de la qualité du mouvement, parce que c'était très étonnant d'avoir réussi une forme qui soit proportionnelle. La même année, 1964, donc, mes créations se sont trouvées être triangles et cercles dans le même temps. Mes tableaux sont en fait toujours des créations instinctives que je mets après au propre. Les cercles, voilà, je me suis retrouvée avec ce dessin avec trois ronds comme ça et ça m'a interpellée. Il faut que la couleur arrive dans le dessin. Les premiers néons que j'ai faits, j'avais jaune, rouge, bleu. J'ai fait cette œuvre-là en 1982, mais il y a très longtemps que je cherchais la possibilité de concrétiser une œuvre en lumière. J'avais très envie de faire des œuvres linéaires, en lumière. Je suis allée chez un artisan avec tous mes bouts de carton et ils m'ont laissé un morceau d'atelier et j'ai fait toutes les élévations. Je parle du relief qui est en bas là.